ça, pour qu'on puisse chercher les stratégies, comment arrêter les violences sexuelles ici à l'est du Congo, il faut d'abord connaître les causes. Il faut d'abord connaître les causes de ces violences sexuelles, de ces viols qui sont perpétrés ici à l'est du pays. Et actuellement, parmi les auteurs qui sont réputés dans les viols et les violences sexuelles ici, nous avons ces factions armées étrangères qui sont disséminées au travers la forêt de l'est du pays. Et c'est ça la première cause. Et la deuxième cause, c'est aussi l'impunité qui règne au pays. Il arrive des fois peut-être qu'on connaît le viol, mais parfois il échappe au contrôle des agents judiciaires et tout ça. Donc, ça est, prévenir, c'est mettre fin aux guerres à répétition qui sont au pays, c'est mettre fin aux insécurités, c'est mettre fin à l'impunité, c'est un peu ces facteurs-là. Mais si on peut d'abord s'atteler à faire partir du Congo ces étrangers armés qui sont ici, nous pensons que ça va vraiment les viols, les violences sexuelles, ça va baisser la sécurité. Ivi, aye, unashinda. Donc à partir d'ici, toutes celles que j'ai saluées sont des victimes. Toutes celles que celles qui sont assises là-bas, celles que je viens de saluer, c'est aussi des victimes. Okay. Et parmi elles, il y en a qui ont déjà fait 4 ans. Parce qu'il y en a qui ont des fistules. On a essayé de réparer ça un petit peu. L'autre là, qui est en t-shirt blanc. Vraiment désespérée totalement de la vie. Elle ne sait pas rentrer à la maison parce que là on ne veut pas d'elle, parce qu'on dit qu'elle sent. Par jour, on a au moins, si c'est peu, 10. Par jour, on a au moins 10, une dizaine de femmes. À la fin du mois, on a totalisé plus de 300. Parce que quand ils viennent ici, c'est nous qui leur donnons un logement. À manger, on mange 3 fois par jour, le matin, le midi, le soir. Les soins médicaux, l'hygiène, on donne un peu des habits, un peu de lotion, un peu de brossadons. Hein? On fait tout. Ici, ce sont des laborantins. Okay. Hein? Ce sont des laborantins. Uh-huh. Quand ils ont fait sortir des résultats avec les carnets sanitaires, ça va chez le médecin. Et alors, Yeah, they're fixing the dinner for this afternoon, the lunch. At noon, they all eat. They feed them, clothe them, everything.